Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planetzoo. Et donc dans ce let's play, on va faire pas mal de modifications. Je vous ai montré jusqu'à présent beaucoup la partie gestion du jeu. Et aujourd'hui on va faire un petit peu de décoration. Alors j'ai essayé du coup de créer d'autres zoos dans ma franchise pour voir ce que ça donnait. Parce que je voulais voir s'il y avait un peu des maps différentes, tout ça. En fait, toutes les maps sont plates comme ça et la seule chose qui change c'est le décor derrière. Donc on va garder ce zoo là, on va essayer de d'en faire un zoo super bien et du coup on va donner de la hauteur un peu à notre zoo. Parce que tout ce plat là ça fait un peu fadasse. Du coup, on va essayer de donner de la hauteur. Alors, j'ai pas mal réfléchi entre-temps à ce que je voulais faire. Et j'ai plutôt des bonnes idées, je pense. Donc, déjà, enfin, rien qu'avec ma zone ici. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que nos deux enclos là n'en soient plus qu'un. Et que notre allée là, elle remonte par-dessus. Que du coup là ce soit rejoint et que notre allée passe par-dessus. Donc ça va impliquer de déplacer les vivariums sûrement, de les mettre ailleurs. Et ici on va essayer de créer une zone un peu restaurant. On verra si on a le temps de faire ça. Donc déjà, première chose à faire, ça va être de virer tous ces trucs là, je pense. J'ai pas mal d'alertes là, je sais pas pourquoi. Ici, les animaux sont pas contents. Ils ont une sociabilité qui est faible, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans la zoopédie, ils nous en disent pas plus que ça sur l'habitat naturel. Système de ressources. Polygynie, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'ils ont encore besoin d'autres mâles, je ne sais pas. En tout cas, ils ont besoin d'être. Ah non, il y a besoin d'avoir qu'un seul mâle alpha apparemment. Tac. Ah tiens, c'est intéressant ça. Les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Oui. Oh, j'avais pas vu ça. Et les hippotrags, non, ouais, ça me semblait un peu plus. Les gnous, je ne vais même pas voir, c'est sûr que c'est non. Voilà, mais gnous, eux, ils sont pas mal, hein. Bon, on va arrêter de regarder tout ça, et on va essayer de faire de la grosse modif là, pour agrandir cette zone. Donc, du coup, ça fera une zone où les visiteurs ils passeront au-dessus, ils pourront regarder par-dessous ce qui se passe dans le. Dans l'habitat. Honnêtement, je vous avoue que je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir, on verra, on verra. Là, on va appeler le mécanicien. Je sais même pas si ça va être possible en fait de relier les deux habitats. Ou s'il va falloir carrément en recréer un nouveau. Donc déjà, on va modifier ces allées. Je sais pas trop comment je vais faire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça. Voilà. Est-ce que je déplacerai pas d'abord tout ça? Ça, il va falloir carrément que je le surélève. Ou alors, est-ce que je ne mettrai pas. Est-ce que je laisserai pas ça en dessous? Comment je vais organiser ça? Parce que là j'ai quand même une sacrée zone de vide visiteur en fait. Les visiteurs ils peuvent voir l'habitat d'ici. Là il faudrait qu'idéalement j'ai un autre habitat ici après. Et un autre par là. Pour que cette zone là gère ces trois habitats. Ce serait pas mal, sachant que je comptais faire genre ma zone Afrique par ici là, comme ça, et là une zone avec un autre thème.
C'est pour ça que je tournerai après, on verra, mais les allées. Donc, celui-là, on va essayer de pas trop le toucher. Ça, est-ce que je le laisse en bas ou pas? Si je le laisse en bas, il faudra que je trouve un moyen de le faire remonter sur l'allée. Bon, déjà, on va virer cette allée comme ça. Et on va... Terrain... Sculpture élevée. On va élever le terrain, là, déjà. Oh, faut l'élever plus que ça. Taille. Intensité. À quel point je peux l'élever, ça? Parce que là, il va falloir l'élever pas mal, hein. Est-ce que je peux aplanir après? Raboter... Aplanir jusqu'aux fondations. Ah voilà, ça c'est pas mal ça. Donc là on va aplanir tout ça. Hop. Ça fait un truc pas mal déjà. Ça crée pas un truc trop dégueulasse, ça va, ça fait des petits... J'aime bien ce que ça fait. Ne vous inquiétez pas, après on va décorer avec des cailloux. Donc là on est assez en hauteur, on est pas mal. Je pense. Là on est pas mal. Est-ce que je laisse mes... On va raboter ça quand même parce que c'est moche comme tout. Hop, là on va raboter un peu tout ça. Clac. Voilà, là c'est dégueulasse. Hop. C'est pas terrible ça. Hein. Crevasse, aplanir jusqu'à la surface. Ah non, ça c'était dégueulasse, annulé. Hop. Si je reprends ça, que je me mets là. Je fais comme ça. Ah oui, non, ça fait... Ok. Bon. Voilà, on essaie d'y arranger un peu. Là j'ai fait sacrément un trou. Je crois qu'il y a des outils différents un peu. Ah voilà, comme ça. Je peux descendre si je me mets. C'est pas W. Voilà. Paf. C'était pas top, mais c'est où annuler là. Là. X. Attends. C'est quoi déjà? Ah c'est voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. C'est pas mal ça. Ok. Ok, bon. Alors. Là on va raboter un peu tout ça aussi, parce que c'est aussi dégueulasse. Donc là je vais laisser mes trucs en dessous, on a dit, hein, du coup. Faut que je réfléchisse un peu à comment je vais m'organiser au niveau des allées. Là, il y a mes deux restaurants. C'est quoi ça? Un chief beef, un gulpi. Ils vendent quoi déjà? Des boissons? Gulpi. Ouais, des boissons quoi. Des boissons et Chief Beef, c'est un restaurant un peu. Peut-être qu'on peut mettre un petit restaurant là. Sachant qu'on a aussi un restaurant là-bas. Là, on a aussi un gulpi. Et là, c'est quoi? Deux Chief Beef, on a. Deux Chief Beef. Et un autre Chief Beef ici. Oula, ils sont pas contents là, par contre. J'ai soif. Ouais, bah, il y a du gulpi là. Ah oui, c'est peut-être un gulpi là que je voulais mettre, plutôt qu'un Chief Beef. Et là, c'est quoi? C'est un truc de souvenir. Ah, on n'a pas de vendeur, faut mettre un vendeur. Ok. Donc, là, on va virer ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça, on va le déplacer.
Comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Alors, sachant que là j'ai mon allée pour mon enclos. Bon, on va déjà virer tout ça là. Et on verra après comment on fait. Alors, il faut que je reprenne la même taille d'allée. Je pense que c'est du 10 mètres de large. J'ai mis du 10 mètres là? Non, 6 mètres, 8 mètres. 7, non, c'était du 8 alors. 8 mètres de large, ok. Donc maintenant pour monter, si je me rappelle bien. Non. Ah, lâche-moi, je vais me mettre sur celle-là. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais attaquer sur celle-ci. Ah, je suis un peu bloqué avec ça en fait. Voilà. Pourquoi je suis bloqué comme ça ici avec celle-ci? Il faut que je. Voilà. On va essayer de mettre une pente douce. Ah, mais direct! Ok, mais bah en fait j'aurais pu. Non, alors toi tu vas mettre là. Ma pente, j'aurais pu l'attaquer direct ici là. Voilà. Bah par contre pas du tout là, non. Ça on va y enlever. Clac, comme ça. Non! Non! Alors attendez, hop, Chief Beef. Tu vas dégager. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Quitter. Chief Beef, on va te déplacer par là. Toi, on va te déplacer par là en attendant. On va enlever ces allées pourries là. Allez. J'arrive pas à choper les allées là. Voilà. Clac, clac. Ça, c'est les allées des employés. On va dégager comme ça pour le moment. On verra après comment on fait. Hop. Ça, on va le mettre. Comme ça, pouf, il y a trop de pente. On va y baisser un peu, c'est pas grave. Hop, alors ici, ah, il y a quand même des piliers. Ah mince, c'est dommage ça. On y habillera alors. On y habillera. Alors, ok, donc ça, on va pouvoir le déplacer aussi, le mettre par là, là. Touc, voilà. Qu'est-ce qui reste là-dessous? Il reste rien. Ça fait quoi si je mets lecture là? Ok, ça les fait disparaître les gens. Bleu. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'espace pour eux. Alors. Paf, là le banc. Le banc, on va le déplacer. Là. Boum. La poubelle. On va la mettre à côté du banc. Voilà. C'est pas tout à fait ça que j'avais dans l'idée, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, tac. Une alerte importante nécessite votre attention, je sais. Oui, mais je suis en pause de toute façon. Alors, on a dit, paf, là, comme ça. Comment je vais pouvoir arranger ça? J'avais dans l'idée de faire des espèces de rochers là. Est-ce qu'il faudrait pas que je surélève tout ça carrément? Pour que je fasse ma pente ici. Si je pense que je vais faire ça, je vais surélever tout ça. Ah, attendez, ça, est-ce que je peux sélectionner plusieurs trucs en même temps? Si je modifie ça. Est-ce que je peux séparer du groupe? Non. Est-ce que je peux grouper des choses?
Est-ce que je peux grouper des choses? Groupe 9. Quitter. Sauvegarder en tant que plan, non. Modification de groupe, non. Dupliquer. Sélectionner le groupe. Ah d'accord, donc c'est quand même dans un groupe. Bon, on va le déplacer. On va le mettre là-bas. Ça, on va le déplacer, on va le mettre là-bas. Oh, tu vas où toi? Non! Voilà, ça y est, ça commence. Quitter le groupe. Je ne veux pas sélectionner le groupe. Non, quitter. Voilà. Hop. Bon, c'est pas grave. Ça, on quitte. Sélectionner le groupe, il y a quoi dans le groupe? Déplacer. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux déplacer ce truc-là. Merci. Ça, je veux le déplacer aussi. Voilà, c'est parce que je voulais quitter le groupe. Centre de recherche. Sélectionner le groupe. Est-ce que je peux déplacer tout le groupe d'un coup? Oui, parfait. Hop. Et ça, c'est pareil. Sélectionner le groupe. Déplacer. On le remettra par là de toute façon après. Hop, ça on déplace aussi. Clac. Non, mais non, on va le mettre là-bas. On s'en fout. Là, on va dégager tout ça. Là, on fait un gros chantier. Là. Quitter. On ferme ça. Pouf. Hop, on supprime tout ça. Allez, hop. On supprime toutes ces allées là. Hop, 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 on supprime tout. Sauf celle-ci, voilà. Là, on va séparer, supprimer tout ça. Hop, là, ça, on va le supprimer. Pouf. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Et là, on va essayer d'amener ça par là. Donc, terrain. Terrain. Si je mettais un truc comme ça, ici, là. Si je fais comme ça, ça fait quoi? Pouf! Ok, c'est nul. C'est pas terrible. Je vais faire avec ça, plutôt. Donc là, je vais agrandir ma taille, moi. Ça me plaisait bien, là, moi. Hop. Par contre, intensité. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais plutôt aplatir par là, voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça, c'est pas mal, ça. Ça fait un truc bien. Ça fait un truc qui me plaît. Hop, là on va faire pareil, tout ça on va y supprimer, on va y dégager. On va y dégager. Là on va créer un peu des... Vous allez voir, ça va être bien. Donc... On va créer un peu de relief dans ce truc là. Terrain. Hop, on enlève un peu partout là. Parce que c'est pas terrible ce que ça nous a fait là. Voilà. Ok. Faut pas non plus que ce soit trop plat quoi. C'est pas terrible un truc tout plat. Et là, on va les creuser après pour faire notre allée comme il faut, vous allez voir. Ça fait bien, ça, ça fait bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Ok. Très bien, donc maintenant, on reprend, on enlève ça. On reprend ça. Oh, je peux pas... Comment ça se fait que je ne peux pas y toucher?
tourner par là, voilà, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Tac, donc là, on a notre truc qui va continuer par ici. Maintenant, on n'en a plus besoin. Hop, peut-être qu'ici, il faudrait quand même avoir des... un tunnel. On peut faire des trucs en tunnel, ok. Allez, avec Rambarde. Comment ça, un tunnel? Ah, d'accord. J'ai pas compris. C'est pas grave. Peut-être que ce bout-là, il faudrait que ce soit avec Rambarde. Au moins jusque-là, voilà. Quand même, parce qu'il va y avoir des animaux, là. Ok. Donc, là, on a notre petit truc qui monte. C'est sympathique. Là, il va falloir relier ça ici. Et là, faire quelque chose. Là, on va faire quelque chose. Donc là, on n'aura plus besoin de ces trucs vitrés. On n'aura même plus besoin de cette allée-là. Ça, on verra après. Hein. L'habitat, on verra après. On va déjà tout remettre en place ici. On va déjà tout remettre en place ici. Donc pour ça, on va prendre ça. On va le déplacer. Non, je peux pas y déplacer mieux que ça. Voilà. Ça, on va le déplacer. Je veux juste voir, moi, plutôt, l'impact négatif. Ça, on va le mettre par ici. Ça peut être là. Est-ce que je ferai pas des petits trucs là-bas? On verra. Je vais le mettre par là. Voilà. Donc, je sais que je suis bon pour mes trucs en impact négatif. Hop. Donc là, on a la station de trucs d'eau. À côté, on va y mettre le truc d'électricité. On peut pas le grouper avec. Le groupe, passer en mode modification de groupe, est-ce que je peux pas mettre ça avec? Alors j'ai téléchargé plein de trucs, genre là un truc de rocher, voilà, j'ai pris plein de, c'est des grottes en rocher, donc on peut les récupérer, faut les placer et récupérer, j'ai pris plein de trucs, ça coûte cher par contre à poser hein, la première fois. Sculptures, c'est marrant, il y a des sculptures et tout, il y a plein de choses là-dedans. Waouh, on va se régaler. On va se régaler, ok. Donc ici, on avait notre Chief Beef, est-ce qu'on va le mettre là? Chief Beef, c'est un resto quand même. Ah, ce serait sympa d'avoir un resto avec une vue sur les gnous, genre, ou sur les, ici. Faudrait que je bouge cet arbre. Que cet arbre il soit plutôt par là, du coup ce serait bien, ou par là, là par là ce serait pas mal, là par ici, là le baobab par ici comme ça, là là ce serait cool, là il est bien placé parce qu'il gêne pas la vue, je pourrais déplacer ça. L'idée aussi ce serait d'avoir des habitats sans aucune barrière. Donc je vais m'expliquer parce que en fait on peut créer des barrières invisibles normalement. Je vais voir si je les ai déjà débloquées, c'est peut-être pas le cas. Et ces barrières invisibles, il faut les remplacer genre des murs en pierre ou des machins comme ça. Mais en même temps, c'est plus classe. Donc on verra si on peut le faire ici. Genre là, tout cela là, je vais tout y faire dégager. Je vais juste mettre des rochers et ça suffira. Ah par contre j'ai fait monter le truc là moi. Merde. Attends. Il faut que je change ça moi. Aplanir jusqu'aux fondations. Alors on va prendre un petit pinceau d'ici là. Voilà. Voilà. Clac, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ok, donc maintenant, on va remettre nos trucs là.
Alors là, on a. Ah oui, ça, je pouvais le déplacer d'un coup, je crois. On va sélectionner le groupe. Voilà, on va déplacer. Donc ça, c'était genre par ici, on accédait au truc là. J'avais mis un petit chemin qui accède au truc en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, on va y mettre par là. Paf. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs Ah ouais, tous ces trucs-là, je peux pas les mettre parce que j'ai. Comment ça se fait que je peux pas les mettre? Ah, celui-là, je peux le mettre. Ça, c'est le rocher du roi lion. Ouais. comment ça se fait que je peux pas les mettre, ceux-là? Fond insuffisant. Ah, c'est juste ça. Non, c'est pas juste ça. Il y a un petit cadenas, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause des DLC. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas les DLC qu'il faut. J'ai pris plein de trucs. Ah, j'ai pris un bâtiment terrarium. Très très cool. C'est des. Alors tous ces trucs là, c'est des créations d'utilisateurs. Enfin de joueurs en fait. Voilà. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Construction. Ça, on verra plus tard. Je ne me rappelle plus comment j'avais mis mes trucs. Bon, alors ça, on va le déplacer. On va le mettre par ici. Peut-être qu'il est temps de faire ma route là. Les allées, c'est où? Les allées. Les allées, les employés. J'avais pris laquelle, moi? Celle-là, je crois. Alors, ici. On va faire quelque chose comme ça. Pourquoi ça fait ça? Merde. Parce que j'ai mis tunnel là. Tunnel, je ne veux pas un tunnel. Hop. Donc là, on va partir d'ici. On va faire un truc comme ça. Faire un truc comme ça. Bah, j'ai peut-être pas besoin d'un truc de 10 mètres de large là. Un petit truc de 6 mètres, ça suffit largement. Paf, paf, paf. Je veux pas que ça se colle juste à ça en fait. C'est le problème. J'aurais dû placer ma route avant, c'est ça? Ah non, attendez, en plus. Ouais, attendez, hop, ça. On va prendre le groupe, on va le déplacer. Là, j'avais placé une grosse allée au milieu. Je me souviens. Donc là, on va mettre une allée de 8 mètres. Oh putain, ça aussi, ça va me faire chier. Biscuit. Biscuit. Hop. Ouais. Déplacer. Pouf. Voilà. Donc là, on va mettre notre allée. Pouf. Là, on va mettre une grande allée. Quoi, je peux pas partir du milieu là? Je peux pas partir du milieu. C'est dingue ça, comment je fais? Je peux pas partir de nulle part. Si? Pourquoi je peux pas partir d'ici? Parce qu'il s'aimante sur tous les trucs qui traînent. Ok. Eh bah très bien, on va faire comme ça. Ça doit être bon là, en termes de longueur. Alors, on sélectionne le groupe. On déplace. Ça, on va mettre comme ça. Paf. Voilà. Ça. Ça, on le met par là, comme ça. Clac. Ça, pareil. On va le déplacer par ici. J'aime beaucoup les musiques dans ce jeu, ça détend. Hein. C'est un truc de fou, j'adore. Alors ça, on va déplacer juste celui-ci. On va le déplacer là, voilà. Ensuite ça. Non, celui-là d'abord. Celui-là.
je veux ça. Non. Je suis sur le groupe là. Ça, le groupe. Déplacer. Ah, je prends les trois d'un coup. Ok. Les trois salles du personnel, on va les mettre par là. Boom. Ça, c'est la salle de vente. Le centre d'échange. On va le déplacer. Hop. On peut le mettre par là plutôt, le centre d'échange. Ah non, là, il faut que je crée un escalier, machin. On va le mettre par là. Hop. Et là, ça... Ça fait pas partie du même groupe, ça va être chiant, je pense. Non. Eh mais pourquoi j'étais là-dessus encore? Oh putain. Sauf si on arrive à le placer comme ça, voilà. Ça. Déplacer. Est-ce que je laisse dans ce sens-là, ce machin? Comme ça, peut-être. Clac. Voilà. Donc les allées, là on va mettre 6 mètres. Pouf. Paf, voilà. Hop, très bien, parfait. C'est nickel comme ça. Ok. Donc là on est bon. Non, il va falloir faire descendre ça ici. Ça, ça va être un peu plus compliqué à mon avis. Terrain. Paf. Je sais même pas si on va y arriver. J'ai l'impression que ça va être chaud. Est-ce que mon allée là, elle peut rejoindre celle-ci? Oh là, ça va pas être possible. Je peux pas là. Ah, attendez. On va prendre le terrain, on va creuser. On va creuser à mort. On va enlever tout ce qui nous gêne là. Hop là. De toute façon, là on va y modifier. Reprenons les allées. Pourquoi ça tourne en même temps quand je descends? Mais pourquoi est-ce que ça tourne? Je peux pas descendre tout droit. Voilà. Je peux pas juste le raccorder là, ça. Non. Je peux pas juste être... Ah voilà. On a réussi à s'accrocher dessus. Ah non, ça m'a enlevé ma grosse allée là. Putain, c'est pas possible. Ah, tuez-moi. Mais. Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas à la bonne hauteur? Voilà. Ah oui, d'accord, ça c'est vraiment tout ce gros bout là. De 5 mètres comme ça, je peux pas me raccrocher sur celui-là. Là, non, ça va me faire rage quitte. Oh, oui, voilà. Ok, 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 ok. On est bon, on est bon. Maintenant, on va décorer tout ça. Donc, là, on a nos trucs. Les deux restos, là, on verra vraiment plus tard. Je suis même pas sûr que je vais les laisser là d'ailleurs. Donc là, on a notre allée sympa et tout, et on va faire un peu de déco maintenant. Donc, on va peut-être faire l'enclos d'abord. On va tenter le coup de l'enclos. Alors. Modifier la clôture. Donc là, est-ce que je peux... Comment on fait ça ? Paf, voilà. Donc là, je vais fermer là. Est-ce que je peux faire des clôtures invisibles?
Non, je peux pas faire de clôture invisible encore. Ah si, invisible. Voilà. Donc là... Donc là, attendez, on va quitter ce truc. Paf. On va faire la même chose sur celui-là. Donc là... hop, on modifie ça. Ça, on l'enlève. 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 Paf. J'aime pas cette vue caméra là. Est-ce qu'on peut la changer cette vue caméra? Elle est un peu chelou. Là. Ah, c'est mieux. Faut que je trouve si on peut. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal comme vue. Ok, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève. Et celui-là on enlève. Ok. Là on est bien. Ok, donc maintenant on fait mur invisible. Pouf. Invisible. Paf. Paf. Est-ce que je peux relier les deux habitats? Oui, ça fonctionne. Il semblerait que ça fonctionne. Donc maintenant... Si je ferme ça, on n'a plus qu'un habitat. Correction, plusieurs entrées d'habitat. Ok, donc j'ai plus besoin de celle-ci. Je suis obligé d'avoir plus qu'une seule entrée d'habitat. Ok. Donc ça, on va dégager. Animal dangereux s'est échappé, oui. Pour le moment, attendez un peu, s'il vous plaît. Ils sont pas encore échappés, vu que je suis en pause. Donc là, on va rétablir ça. C'est pas ce que je voulais faire, ça. Moi, je voulais juste partir de là, voilà. Et hop, et hop. Et tac, et là donc tac. Hop, tac, 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 voilou, là je fais du invisible de là, non, invisible, voilà, de là à là-bas, c'est trop long, je peux pas faire plus petit, longueur. Paf, paf. Paf. Ok. Donc là, on a du invisible. Pour fermer du invisible, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Habitat. Zone traversable. Voilà. Donc là, je sélectionne mon habitat. Ok. Donc... Comment ça marche? Point d'évasion. Zone traversable. Abri. Zone traversable. C'est-à-dire que c'est bon là? C'est-à-dire que c'est déjà bon? Bon, de toute façon, là on va y arranger. Là on va y arranger. Donc ce qu'on va faire pour y arranger, c'est qu'on va aller dans les pierres. Les pierres de type savane, voilà, comme ça. Et on va se faire un petit... on va créer un mur, là. On va créer un... quelque chose qui ressemble à quelque chose de naturel, quoi. Vous voyez? Peut-être que... Oh là, celui-là, il est gros. C'est le même, en fait, celui-là et celui-là, non? Pas tout à fait, ils sont très semblables, mais c'est pas les mêmes. Ok, voilà, il y a mon collègue. Alors X. Ok, donc là on va faire comme ça. Tac. C'est bon, ça passe pas au travers de mon sol là, non. On est bon. On est bon.
là on n'est pas bon par contre. Là on n'est pas bon. Hop. Donc attends, il faut qu'on arrive quand même comme ça. Non, c'était la flèche bleue que je voulais attraper. Hop. On va le faire tourner un petit peu comme ça. Voilà. Ça c'est pas mal, on a du beau rocher. On va essayer de planquer ce pilier là. Alors attention, hein, je vous le dis tout de suite, moi les détails, on va tout cacher. Hein. Je voulais pas faire ça, mais je voulais sélectionner ce truc. Non, par contre c'est pas ce que je voulais faire. Nature. Hop. Hop. Non, c'est trop gros ça. Ça c'est trop gros aussi. Il me faut du petit caillou là. Ça c'est trop plat. Ça c'est pas mal. Ah, c'est quoi ça? Ah, d'accord, je découvre des touches raccourcies. On va se mettre par là, on va mettre X. On va le monter un peu. On va le faire tourner. Hop. Hop là. Hop là, ça c'est pas mal du tout. Là il va nous manquer un peu de rocher aussi. Hop, donc là ça c'est ok. C'est quoi ça? Désert rouge. Savane c'est mieux. Alors. Hop ça. C'est tout petit ça. Je m'attendais à un gros truc moi. Bon après on peut essayer de faire... un truc un peu empilement de rochers. Oula, celui-là est énorme par contre. On peut tenter de faire de l'empilement de rochers, hein. Truc sympa. Alors là, il faut que je mette au sol. On va se mettre comme ça. Hop. Clac. X. Hop, je viens de voir que ça fait 40 minutes que je tourne, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer un petit peu tout ça hors stream, là, essayer de faire un truc très rocailleux ici, là, avec une jolie petite entrée, là. Et après, donc la prochaine fois, on attaquera peut-être cette zone-là où je voulais faire des restos et des trucs. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao !